On va commencer par un petit échange qui fait suite à une vidéo que je vous ai envoyée sur un décalage. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette vidéo, je vous ai demandé de la revoir éventuellement. Un décalage que j'ai ressenti suite à des séminaires que je vois à droite à gauche. Un décalage entre tout ce que s'y propose dans le développement de la conscience, développement personnel. Travail sur soi, mission dans le monde, essayer de participer, être des acteurs du changement, etc. Voilà. Donc le décalage, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas le reparler, il y a la vidéo sur ça. Il est principalement basé sur le développement personnel et même ce qu'on appelle le travail sur l'ego, la réduction de l'ego, le passage du moi au soi. Et ce que moi j'ai pu capter dans l'approche, en tout cas biblique et kabbalistique, qui est un travail, les atzmo, que j'ai expliqué comme ça, c'est comme ça, Ben Adam, les atzmo, l'homme vis-à-vis de lui-même, mais ce lui-même, c'est les etzem, c'est l'essence de lui-même. C'est comme si qu'il y a un travail qui est nécessaire au niveau de la structure éphémère et extérieure, qui de toute façon passera son cap, puisque on a un temps de vie qui est quand même limité jusqu'à 120 ans, 130 ans si on veut, mais bon. Et en même temps, il y a un autre travail qui est sur l'essence de soi-même. Alors il y en appelle le soi, etc., mais comme si il y a un manque, il y a les Hashlim et Atzmo, c'est ce que nous apprenons dans les enseignements du Ramchal, c'est que nous avons à compléter notre manque, mais au niveau du etsem, au niveau de l'essence de nous-mêmes, et non pas au niveau de notre extériorité. Donc voilà, et là, c'est le premier décalage que j'ai ressenti. Ça m'a fait quand même assez réfléchir par rapport au travail que je propose en coaching existentiel et en enseignement, et où les besoins sont des besoins de réalisation de soi, qui sont tout à fait normaux et qui est nécessaire, je dirais même, mais comme s'il y a quelque chose qui est en décalage. Alors après ça, je vous ai envoyé un texte sur la collapsologie. Alors c'est quoi la collapsologie? Alors, vous faites collapsologie sur Wikipédia, que je vous ai envoyé le lien de toute façon, pour ceux qui connaissent. C'est un courant de pensée transdisciplinaire qui est assez ancien d'ailleurs, hein, qui vient des années 2010 à peu près, hein, qui analyse d'une façon scientifique les risques d'un effondrement de la civilisation industrielle et ses conséquences. Alors au départ, on parlait vraiment que de la civilisation industrielle, mais plus on avance, plus on voit qu'on est en système d'effondrement dans tous les domaines de l'existence humaine, que ce soit la sociologie, que ce soit la politique, que ce soit l'écologie, que ce soit exactement, il y a une forme d'effondrement de civilisation. Alors, il y a beaucoup de savants qui travaillent là-dessus avec des données très spécifiques, en regardant les catastrophes qu'il y a dans le monde, en analysant d'une façon très pragmatique et scientifique les éléments, et en faisant des projections. Au point où, bon, moi je ne veux pas faire le scénario catastrophe, mais il y a quelques scénarios catastrophes qui nous viendraient dire, attends, que bah, doucement, oh, on a peut-être 10 ans devant nous, non pas pour réparer, parce qu'aujourd'hui on a dépassé le cap, mais pour nous préparer au changement. Alors, soit on est dans ce qu'on appelle le tikkun, réparation de la situation apparemment grave et dangereux. On parlait de l'écologie, hein, bon, mais il n'y a pas que le corona, hein, qui vient nous parler de ça. Donc, c'est assez sérieux comme étude. Donc, j'ai quand même, avant de venir parler de ça, je trouve que c'est une étude assez sérieuse, évidemment, mais il y a des visions bibliques aussi qui parlent de ces choses-là. On est dans une situation où on ne sait pas trop où on va. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que ça se termine. Mais si ça se termine et qu'on soit exactement au même niveau qu'avant que ça commence, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Il y a quelque chose qui n'est pas possible avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis 2002. Et ça a été annoncé d'ailleurs. Ça a été annoncé que les grandes
grande catastrophe ou grand mouvement de commencera en 2020 à peu près, quoi. Hein. Alors, ce n'est pas simplement le corona, c'est aussi le problème du système climatique. Hein. Vous voyez de plus en plus de catastrophes écologiques, des feux à droite, des inondations à gauche, et ça a l'air de se démultiplier. Alors, on se pose des questions, quoi. On se pose des questions, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, on peut continuer à se dire, bon, moi, je vais travailler sur mon évolution de conscience, qui est chose importante aussi, mais comme on arrive à un moment qui est extrêmement difficile, il est tout à fait normal qu'on revienne à notre personne. Je veux dire par là, si on sait qu'il y a une guerre, on pense à qui? On va penser à nos proches, on va penser à nos enfants. On va essayer de voir comment on peut se retrouver ensemble, mais d'abord avec notre proximité. Donc il y a aussi un retour à la réalité des zones de parenté, je dirais même, que nous avons, et qui fait qu'on doit faire extrêmement attention. On ne peut pas simplement planer sur des sphères de réalisation de soi. À quelque niveau que ce soit, hein, au niveau initiatique, au niveau métaphysique, au niveau ésotérique, si le monde lui-même est en train de se décomposer. Mais en même temps, on sait que ces choses-là sont plus ou moins annoncées par les prophètes, par la Bible, etc. Et on sait que, y a un temps où on aura des signes, et lorsqu'on a ces signes, il y a aussi un temps de préparation. Et c'est là que moi je m'interroge. Je dis bien je m'interroge. Je ne dis pas que je sais que voilà ce qu'il faut faire, que je m'interroge. D'une part, par rapport au travail que chacun peut faire sur lui-même dans cette situation, aussi bien au niveau de ce développement de la conscience, pour prendre bien conscience de ce qui se passe, au niveau de sa propre réalisation, au niveau de son propre environnement. Et peut-être plus loin, au niveau de sa participation éventuellement à être aussi un acteur du changement ou un acteur des préparations au changement, je ne sais pas, donc vous voyez que c'est très vague, hein, c'est très très vague ce que je vous dis, hein. Il y a une réalité. Cette réalité, on ne peut pas faire de la politique de l'autruche par rapport à cette réalité. Au niveau sanitaire, on le sait. Au niveau politique, on le sait. Ça va dans tous les sens aujourd'hui. Au niveau des catastrophes écologiques, on le sait, ça va dans tous les sens aujourd'hui. Donc, on est obligé, en même temps qu'on travaille sur nous-mêmes, au niveau de la connaissance, etc., de dire comment ça se passe par rapport à ce phénomène. Et moi, la question que j'ai posée, et je dis la question, parce que bon, il y a certainement d'autres possibilités de réflexion, et je ne suis pas seul à réfléchir là-dessus. Puisque je rencontre quand même, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont dans ce questionnement et qui se posent des questions par rapport à quel changement possible. Alors, si je suis quelqu'un qui est un lecteur de la Bible, alors si je ne suis pas lecteur de la Bible, je ne suis pas lecteur de la Bible. La plupart d'entre nous sont venus ici pour étudier des éléments qui viennent de la Kabbale, donc de la Bible, donc de la Torah. Si je suis un lecteur de la Bible et si je donne foi, c'est-à-dire une certaine confiance à ce qui est dit, donc on aurait dans les textes qui parlent aussi de ces choses-là des solutions. Soit c'est des solutions pour éviter ce qu'on appelle une catastrophe, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une mutation totale de la civilisation, parce que ça fait partie du système. Ce monde-ci n'est qu'un monde préparatoire, qu'un monde provisoire, qui nous amène à un vrai monde. Donc ce passage entre ce monde olamazé et olamaba, à un moment donné, il faut bien qu'il se manifeste. D'accord? Alors comment on fait par rapport à ça? Alors, la Torah parle de ces choses-là. Alors, moi, je ne veux pas faire... ni un scénario catastrophe, ni un scénario prophétique, parce que je suis en interrogation. Je réfléchis et je n'ai pas toutes les données dans ces questions-là. La seule chose que je sais, c'est que j'ai une émouna, une confiance à ce qui se passe dans l'histoire biblique.
Ce que nous voyons dans l'histoire biblique, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des mutations comme ça de civilisation. Toutes les grandes civilisations, tous les grands empires, on a connu l'empire égyptien, on a connu l'empire perse, on a connu l'empire ottoman, il y a plein d'empires comme ça qui se présentent dans l'histoire du monde, qui viennent avec ces propositions et qui disparaissent. Et il y a un petit peuple comme ça qui perdure comme ça dans la ligne du temps. Donc ça, c'est une réalité. Depuis la sortie d'Égypte, il y a ce peuple qui est devenu le peuple hébreu et etc., qui évolue et qui reçoit donc la Torah au Sinaï avec des propositions, soit des propositions singulières par rapport à un travail singulier que ce peuple doit faire, mais en même temps des propositions universelles pour être justement porteur de sens et pour apporter. Par toi seront bénies toutes les nations du monde pour apporter des solutions dans le monde. Ça, c'est la Bible. On n'y croit pas. Mais bon, si on prend la Bible, ben, ça, c'est évident. Si on prend une autre carte de lecture, il y aura d'autres cartes de lecture. Mais nous, on est dans cette carte de lecture pour l'instant qui est la Bible. Après, on peut faire des liens avec les autres cartes de lecture, puisque cette chose-là n'est pas simplement biblique. Elle a été aussi écrite dans d'autres ouvrages initiatiques, hein, comme la Bhagavad Gita, etc. Donc, mais comme ce n'est pas notre culture, on a un peu de mal à décoder ces éléments-là. Mais évidemment que quand il y a une information comme ça divine, bah, elle n'est pas simplement singulière, elle est aussi universelle. Donc, sans rentrer dans les rencontres. Des langages que nous ne connaissons pas tout à fait. On en reparlera peut-être avec l'histoire de Babel, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très important là-dessus à comprendre. Mais pour l'instant, on a eu des propositions qui sont dans le cadre biblique. Alors, dans ce cadre biblique, évidemment, il y a eu beaucoup de divisions, etc. Je ne vais pas parler des trois grandes divisions qu'il y a entre Israël, Ismaël, et puis quelque chose qui serait normalement une jonction avec Israël, puisqu'on appelle le christianisme, et le christianisme s'appelle aussi Israël. Donc, on a quand même, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a une origine qui sent le peuple hébreu, et on aurait peut-être des réflexions à faire sur cette donnée-là. Alors, moi, je suis rien, je veux dire, hein, vraiment. Je suis dépassé par les événements. Je me trouve à faire des enseignements plus ou moins ésotériques, sans trop non plus, parce qu'il faut avoir des réserves nécessaires. Et dans cette, c'est pas une croyance, hein, dans cette donnée, je dirais, dans cette, alors c'est pas une vérité non plus, parce que la vérité, elle est relative. Mais dans cette donnée, nous avons dans la lecture biblique quelque chose qui va nous dire que le monde est tenu par ce qu'on appelle l'arbre de vie, et en même temps, il est créé par les lettres hébraïques. Alors, je me dis, bon, soit j'étudie comme ça, en artiste et en passant, en amateur, les lettres hébraïques, parce que c'est sympathique, je vais comprendre des choses, etc. Puis je rentre dans l'ésotérisme, et donc je comprendrai un peu mieux ce qui est dit dans tous ces livres qui existent aujourd'hui. Soit, je dis non, non, oh, maintenant c'est sérieux, quoi. C'est-à-dire que les lettres hébraïques sont les fondamentaux de la création du monde. Donc ça veut dire que pourquoi rester simplement dans le côté un peu extérieur et ne pas voir dans ces lettres hébraïques des solutions au niveau de ce changement qui est en train de se préparer à nous. Et pourquoi ne pas voir dans l'arbre de vie, parce que c'est les 32 voies de la sagesse, ne pas voir que nous avons peut-être quelque chose ici qui nous permette non simplement à nous préparer pour avoir la vision de ce futur qui est en train de se mettre devant nous, mais en même temps pour découvrir les arrangements qui se mettent en place, ce qu'on appelle le tikkun olam de notre côté. C'est vraiment une question, hein. Je ne dis pas, attention, on a trouvé le jackpot là, de la solution de la catastrophe, parce que s'il faut arriver à la catastrophe, il ne faut pas paniquer non plus, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il n'y arrivera. Par contre, c'est la préparation aux événements futurs. Alors, nous, on a des termes comme ça, donc on a parlé des 32 voies de la sagesse, on a ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation universelle,
qui a été annoncé à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde. Et après, qui a été retransmis à Isaac, qui a été transmis à Jacob, qui devient lui Israël. Et après, on parle d'Israël hors la goïm, lumière pour les nations. Alors, c'est quoi cette lumière? Est-ce que c'est simplement une lumière spirituelle? Ou est-ce qu'il y aurait une autre forme de lumière qui viendrait aussi répondre à la problématique de la temporalité de notre vie actuelle? Rappelez-vous que Jacob a eu la double bénédiction. Les mains de Jacob et les mains d'Ésaü et la voix de Jacob. Je ne vais pas rentrer dans tous les domaines qu'on a beaucoup parlé, vous le retrouvez dans les sites, etc. À Kol Kol Yaakov, Yadaïm Yadaïsav. Donc on voit qu'il a une double bénédiction. Et on voit en même temps qu'une réalité d'Israël, c'est que on peut apporter des solutions de science et technique pour des grands problèmes humanitaires, au niveau de la faim dans le monde, au niveau de l'eau. Aujourd'hui, on arrive à trouver de l'eau à travers l'air, au niveau de l'agriculture avec le goutte à goutte, au niveau de la médecine, à plein de niveaux. Donc il y a des études, il n'y a pas qu'Israël, évidemment, heureusement pour nous, qui se font dans le domaine des sciences et techniques. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas simplement de rester dans les sphères supérieures et de planer. Il faut aussi ça, arriver à se connecter à des niveaux de conscience supérieurs, mais en même temps, la réalité va se faire dans notre réalité, c'est la malchoute. L'objectif n'est pas d'être simplement des êtres réalisés et planétaires. L'objectif, c'est que cette Terre elle-même, elle devient une Terre humaine et pourquoi pas divine. Donc, il y a le Shefa, c'est tout ce qu'on étudie au niveau de la Kabbale. Mais la Kabbale finit par la malchoute, par notre réalité. Donc, ce n'est pas un monde futur qui est totalement déconnecté de notre monde d'aujourd'hui. Quand on dit Olam Haba, c'est le monde en devenir. C'est ce monde-ci qui est le prototype de ce monde en devenir. Donc, on parle de certaines choses comme ça. Donc, j'en ai beaucoup parlé de ces choses-là. Hein, et pourquoi on parle au futur, même à Keter, on a un nom divin, Yé, Asher Yé, je serai qui je serai. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dessus. Et en même temps, je voudrais voir comment réarticuler la situation pour que amener de la concrétude, pas simplement de la spiritualité, de la concrétude, de l'application. Moi, je ne suis pas dans la politique, mais c'est vrai que vous lisez la Torah, elle est politique, elle propose un système politique. De fonctionnement du monde, un système social, pas simplement un système spirituel. Il y a tout qui est comment manger, comment vivre en société, comment faire l'amour même. Tout est dit. Donc on a peut-être une solution, je ne sais pas, mais le problème qu'il y a, c'est que bon, cette solution, comme elle est universelle, mais tout le monde veut dire je suis le propriétaire ou le maître. Il n'y a pas de maître dans cette solution, parce qu'il va y avoir des convergences, il va y avoir des rencontres entre les savants, quelle que soit leur situation, et les sages. Chose qui s'est existée du temps de la Torah. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de ces convergences. Parce que la science seule ne peut pas trouver la solution. Parce que la science seule, elle dit, bon, on a passé le cap, c'est fini, on ne peut plus remettre en place les choses. Il va y avoir dans les 10 prochaines années des trucs qui vont nous arriver, et c'est-à-dire qu'on est en train de subir. Ah, si, on va pouvoir peut-être commencer à vivre un petit peu dans Pôle Nord, parce qu'il y a encore des solutions là-bas, il faut commencer à déplacer les populations. Bah, attends, doucement, où ça va, quoi? Alors, d'un côté, les scientifiques se battent un petit peu pour trouver des solutions parce qu'ils réfléchissent. Il y a des grandes, c'est une véritable science. Hein. Bon, évidemment, il y a la politique qui se met au milieu avec les intérêts, les intérêts de pouvoir qui sont là-dedans. Et à ce moment, ça va devenir un grand bordel. Et après, de l'autre côté, on a des sages qui réfléchissent, quelle que soit l'origine de ces sages. Hein. C'est pas qu'en Israël qu'on réfléchit à ça, évidemment, heureusement pour nous. Mais qui sont déconnectés un petit peu du réel parce qu'ils n'ont pas il manque des éléments. Donc il y a nécessité de rencontre, de convergence. C'est ça l'unité. L'unité n'est pas l'uniformité.
L'unité, ce n'est pas un simple principe, c'est une convergence de différentes. Donc, toutes les sciences techniques, sociales, politiques, spirituelles, universelles, singulières, doivent pouvoir se converger. Alors, moi c'est une idée, hein. Je dis, bon, je commence à dérailler, là, je commence à. Mais en même temps, c'est tellement évident, évident, mais quelqu'un a comme pouvoir pour ça? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir pour ça? Alors, même si on est petit, dans notre dimension, à quel moment, comment je pourrais imaginer que je puisse avoir un impact dans ce scénario? Je disais souvent que qu'on soit un simple pion, mais un pion dans l'échiquier divin. Parce que tout ça, c'est déjà déterminé quelque part dans le plan divin, avec les possibilités de modération que chacun peut faire. On le dit dans la Torah, que je dis Hachem, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est quand on dit Dieu, etc. En tout cas, le principe divin attend que l'humain prenne en charge sa partie. Ce n'est pas un truc jusqu'au moment où on n'aura plus notre partie. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça sera géré par les forces divines et on a fini notre rôle. On n'a pas fini encore notre rôle. On est encore dans le temps où l'homme est en question et où on a à jouer un rôle bien spécifique. Il faut aller chercher les informations que nous avons dans ce domaine. Bon, là, on est un groupe de travail qui tourne autour de la Torah. Ça, c'est notre réalité. Même si on a des croyances ou des religions différentes, le tout, ce n'est pas de regarder nos divergences, mais de regarder nos convergences à ce niveau-là. La convergence que moi j'ai proposée, c'est la racine hébraïque avant qu'il y ait les divisions. D'accord? Dans cette racine hébraïque, la convergence que j'ai proposée, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire les principes de base. Quand on parle de la tradition primordiale, etc., chacun peut dire, après, là, etc., etc. Bon. Mais du point de vue de la centralité de notre étude, on peut redécouvrir cette tradition primordiale dans les éléments hébraïques. Qu'en soit le second, le premier ou le troisième, on s'en fout, mais on peut trouver ces éléments-là. S'ils existent ailleurs, c'est très bien, mais comme ce n'est pas notre culture, je ne sais pas, moi, regarder ces éléments-là. Donc, je vais les regarder dans ce qui m'est donné, dans ma vitrine de travail et dans mon espace, qui est mon espace d'influence, de travail, de possibilité. Donc, j'utilise un petit peu cette notion-là. Et dans cette notion-là, pour l'instant, donc je n'ai pas d'autres éléments, j'ai pris les fondamentaux, les racines des racines. Pour être, donc, il est très important, donc vous allez voir tout à l'heure si je fais le cours, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais sur le cours qui devrait être notre cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire des voies de la direction divine, le Ramchal, il amène tous les éléments de l'organisation de la Shefa, donc c'est-à-dire de l'influx divin, ce qu'on appelle un Hanagat Hashem, la conduite divine dans ce monde, avec la relation humaine, c'est-à-dire l'association entre le principe humain et le principe divin, comment on articule tout ça à travers l'arbre de vie et à travers les lettres, pour parler des 32 voies de la sagesse. Donc tout ça, on a des informations qui nous sont données. Et ensuite, au niveau de l'Hanagat Hashem, on a compris qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de justice, qui lui-même est voilé, puisqu'on ne voit pas la justice, mais derrière ça, on a un autre principe qu'on appelle le principe d'amour, qui lui-même est voilé, parce qu'on ne voit que le principe même un principe de justice, on voit quoi? On voit rien. Alors, on voit rien. Et regardez bien le monde, on voit rien. Alors maintenant, on peut dire intuitivement, je ressens l'amour du, etc. Bon, ça c'est très joli, mais dans notre réalité, et c'est pour ça que le Rambam, il était puissant, il dit, moi j'y crois, mais je ne vois pas, et j'ai besoin de voir. Donc il utilise une pédagogie par le questionnement, un peu une pédagogie socratique, hein, pour nous dire, bon, maintenant, comment ça fonctionne? C'est quoi Dieu quand je dis Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance de Dieu, puisque c'est dire en même temps que je ne peux pas le connaître? Quelle partie divine je peux connaître? Et comment ça marche? Quel est le projet? Pourquoi l'homme? On a tous ces éléments-là qui nous sont donnés. Et c'est pour ça que j'ai repris les éléments de base que nous donne le Ramchal pour nous dire, ça veut dire quoi?
L'Hashlim et Asmo, se compléter soi-même, terminer le travail que le divin n'a pas terminé pour qu'on soit associé à lui-même. Et quand on arrive à la fin du processus, là, parce qu'on n'y est pas loin, hein. C'est comme, je ne sais pas, mais je pense pas que je plane, parce que bon, regardez le monde, quoi. Y a quelque chose quand même de fondamental qui est en train de se passer, là. On a eu des catastrophes. On a eu des moments où on était presque dit, bon, ça y est, c'est maintenant, quoi. Mais la plupart de ces catastrophes étaient localisées. Même si on parle de la Shoah, c'est énorme. Ben, c'est vrai que ça, on pourrait dire que ça commence là, le chamboulement. Parce que bon, là, l'humanité, elle est disqualifiée. C'est arrivé à un point comme ça, il n'y a pas que la Shoah, il y a tout le problème des esclavagismes qu'il y a eu avec toutes les populations qui ont été dominées. Donc tout ça, on montre qu'il y a un humain, il se disqualifie. Alors, on pourrait presque avoir le déluge aujourd'hui pour dire, bon, ben, ça y est, vous avez raté le coup, ça ne marche pas. On a essayé, ça marche pas, donc on reprend le truc et on va recommencer avec quelques personnes, etc. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ça marche. Comment? Je sais pas. C'est vraiment une question que je me pose. Et ça veut dire en même temps que, bon, moi, c'est vrai, j'avais un projet d'école, coaching existentiel, machin classique. Bon, moi, c'est aussi un métier. J'ai besoin de travailler, donc je travaille, et puis je monte mon école, et puis j'ai des élèves. Mais attends, mais oh! Mais peut-être que ça veut dire quoi? Donc, je regarde qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je vois des faillites, des personnes qui avaient réussi, je dis Baruch HaShem, extraordinaire. Paf, tout s'écroule, plus rien. Et alors, ils se battent, ils remontent des trucs, paf, ça s'écroule. Hop, à nouveau, ah, paf, ça serait. Ouais, où on va? Moi, c'est les problèmes techniques que j'ai, quoi. Ça s'écroule à chaque fois au niveau d'un petit problème technique. Parce que bon, peut-être qu'il fallait que ça s'écroule aussi. Peut-être que c'est aussi des signes. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. La seule chose que je dis, c'est que bon, il y a eu un chefa comme ça, une intuition de dire il serait peut-être temps aujourd'hui de reprendre ce qui a déjà été enseigné. Puisque les portes sont ouvertes, les livres sont écrits, il y a plein, plein, plein de livres ésotériques sur la Kabbale, etc., qui sont écrits, où il y a des choses très intéressantes, mais en même temps, il y a des choses où c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il y aurait un tikkun à faire, c'est-à-dire une forme de réajustement, parce que puisque les choses sont écrites, on peut les expliquer autrement, pour que ça soit plus proche de la réalité des auteurs qui ont écrit ces textes-là. Moi, j'étais parti sur cette idée-là, et j'étais parti sur les fondamentaux, c'est-à-dire les lettres hébraïques et l'arbre de vie. Et là, j'ai le sentiment, quand j'ai appelé ça la voie des lettres, je pense que ça peut être une voie. Ça peut être une piste de travail, mais ça peut pas être une piste de travail simplement si je vois les lettres comme des spirales spirituelles. Elles s'incarnent jusqu'en bas. C'est notre réalité, c'est dans notre corps, dans notre souffrance, dans notre façon de vivre, dans notre société. Donc, si tu veux, il faut. Si tu veux, je te tutoie, je ne sais pas qui me fait goutte. Je parle avec moi-même, j'ai l'impression que c'est moi qui me vois. Bon, mais c'est vrai, c'est aussi un dialogue personnel, quoi. J'ai envie de me dire à moi-même, si tu veux. Si tu veux, il faut arrêter de planer, quoi. Il faut en même temps revenir sur une réalité, quoi. Et même politique. Moi, je suis pas dans la politique. Mais la politique, c'est-à-dire, c'est la gestion sociale du monde, comment ça marche. Regardez aujourd'hui où on en est. Même si on parle de démocratie, ça fait peur. Le totalitarisme, on a eu peur. On sait que c'est un truc de fou, quoi. Mais aujourd'hui même, la démocratie, ça fait peur. Parce que ça dépend de la situation des consciences du monde. Si tu as une conscience du monde complètement falabrée, bah, une démocratie, bah, c'est qu'il faut détruire le monde. J'en sais rien, moi, comment ça marche. Voilà, donc moi je voulais partager ça avec vous. Ça ne veut pas dire que je vais changer mes programmes, etc. Je vais continuer à avancer avec ces programmes. Mais ça veut dire en même temps que je perçois, je ne suis pas dans le côté de la vision, etc., mais je perçois, parce que c'est concret.
quelque chose qui fait que ça va bouger, quoi. Ça va bouger. Et il faut qu'en même temps qu'on réfléchisse à ça, soit simplement pour soi-même, c'est-à-dire être préparé à voir le changement, comment il arrive, comment moi je me prépare, comment tu te prépares à ce changement, comment on se prépare au niveau parental, je dis, nos enfants, de proximité, etc., par rapport à ce changement. Et si je suis appelé à être un acteur du changement, j'aurai les signes nécessaires pour dire, non, tu as aussi un travail à faire. Et ça veut dire que, bon, on va peut-être changer les donnes, parce que on n'est pas maître du temps, on n'est pas maître du monde, et les donnes vont venir au fur et à mesure, par des rencontres, par des signes, par je ne sais pas quoi, qui feront que peut-être il y aura du mouvement. C'est tout, on est dans un système de mouvement. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit « Il n'y a rien de constant si ce n'est le changement ». Ben là, on y est. On y est dans la constante du changement, quoi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais couper donc on peut parler, si vous avez des questions sur ce thème-là, on peut échanger, vous pouvez ouvrir vos micros, bon, c'est enregistré, ça permet peut-être qu'il y a d'autres idées qui viennent, parce que je voulais aussi vous faire un petit cours pour rester dans le timing de nos enseignements, reprendre donc le cours des voies de la direction divine, que je ferai en deuxième temps, que vous recevrez donc de toute façon en replay, pour avancer, et que je dis, avec l'aide de Dieu, si je continue à faire un cours jeudi, on reprend les lettres, et puis peut-être le lundi, on continuera à avancer. Mais vous êtes tous invités, aussi bien le lundi que le jeudi, quel que soit votre niveau d'inscription, il n'y a plus de séparation. Là, on est obligé de se regrouper pour se renforcer. C'est un petit peu ça, cette idée-là, de dire, bon, on arrête avec les petits groupes à droite, à gauche, etc. Il faut se renforcer, on parle d'une façon générale, au large, etc. Et le jour où il faudra qu'il y ait un groupe qui se crée, ben, il se créera. Mais ça nous dépasse pour l'instant. Il faut donner au maximum, au plus grand nombre. Et moi, ce que j'ai à faire, je le ferai si je dois le faire, je ne sais pas encore, quoi. En tout cas, nous, on continuera pendant l'été à enseigner. Et vous êtes tous invités pendant ces enseignements. Est-ce que vous avez des questions sur ce scénario un peu catastrophe là, que je vous présente? Si vous avez quelques échanges à voir, donc vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, et vous avez le Non, droit à ouvrir vos micros, oui? j'ai en fait une. Enfin, je t'ai bien écouté.